Bonjour à tous, ici Bruno. On se retrouve pour un autre guide des montures rares de World of Warcraft. Aujourd'hui, je vais vous parler du Poseidus, les reines de Poseidus, qui est une monture aquatique. Je vais vous la montrer, et voilà. Ici, c'est Poseidus, c'est un hippocampe, et c'est une monture très rare, car le temps minimum d'attente avant de la revoir est de 72 heures. Donc 72 heures minimum après le début après le reset du serveur. Donc pour en Europe, c'est le mercredi. Donc comment ça fonctionne pour avoir la monture? C'est très simple, vous devez vous rendre juste ici à Vasjir, qui se trouve dans le royaume de l'Est. Plus précisément dans les étendues chatoyantes et les profondeurs abyssales. Donc sur ma map ici, on a NPC Scan Overlay, qui est mon add-ons pour les mobs, et les points orange sont les spawns sont les spawns de Poseidus. Et dans les profondeurs abyssales, c'est le vert, le petit point vert ici, qui est le seul endroit de spawn pour Poseidus. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc vous vous rendez juste ici, et je vous conseille d'avoir fait les quests pour obtenir l'hippocampe abyssinal, ça vous facilite vraiment beaucoup la tâche. Donc vous allez ici, vous vous rendez au point orange, un après l'autre, vous les survolez en monture marine. Parce que les survoler en monture hors de l'eau, ça fonctionne pas, il va pas vous le montrer. Donc c'est très simple, quand vous allez le voir, vous allez recevoir un message d'avertissement. Je vais vous le montrer dans NPC Scan. Quand je vais voir un mob rare, ça va faire ça, vous voyez, l'écran est devenu rouge. Ici j'ai une petite image du mob rare que j'ai vu. Là, c'est moi, c'était un test. Et on va même entendre une corne. Donc, c'est très, très pratique. Donc, vous allez à chacun des endroits. Et selon si il spawn ou pas, vous allez entendre le bruit. Il y a un message spécial, un macro, que l'on peut utiliser dans le chat pour savoir si il a été looté lors de du dernier reset. Donc, depuis le dernier reset de serveur, est-ce qu'il a été looté? Donc, si oui, il va falloir attendre encore un minimum de 72 heures pour l'obtenir. Je vais vous montrer le macro à la fin du vidéo. Les autres mobs rares, comme le Capitaine Florence, le Capitaine Souillard et Burgi Cœur Noir, n'influencent pas le spawn de Poseidus. C'est vraiment quelqu'un de à part. Donc, comme je vous le répète, c'est 72 heures minimum d'attente pour l'avoir. Ce pourquoi cette monture-là est beaucoup recherchée et très rare, c'est premièrement parce que c'est une monture aquatique, une des seules montures aquatiques qui nous donne 450 de plus à la vitesse sous-marine. Et deuxièmement, au contraire de celle-ci, les reines de Poseidus, on peut les avoir un peu partout, on peut l'utiliser partout. Donc c'est très simple, vous pouvez vous promener n'importe où, dans n'importe quel ruisseau ou rivière de Azeroth, et vous allez pouvoir l'avoir. Un autre truc très spécial par rapport à cette monture-là, c'est qu'elle n'est pas liée quand ramassée. Donc c'est très simple, quand vous l'avez, vous pouvez soit la vendre ou la garder pour vous. Et la vendre, c'est vraiment beaucoup d'argent que vous pouvez vous faire avec ça. Ça dépend du serveur, il faut juste que vous alliez regarder dans votre hôtel des ventes pour obtenir le prix approximatif de la monture. Donc c'est tout pour la technique pour l'avoir. C'est vraiment simple, vous faites vraiment juste circuler entre les points de spawn et vous vous croisez les doigts pour l'avoir. Lorsque vous allez la trouver enfin, vous allez cliquer dessus,
vous allez l'attaquer, vous allez la tuer, et c'est un 100% de drop rate, donc vous êtes sûr à 100% de l'obtenir. Un niveau 90 peut aisément la tuer, et un niveau 85 peut la tuer s'il est bien stuff tout seul. Sinon, il faudrait être en groupe, mais là, ça diminue les chances de l'obtenir pour vous-même. Donc, c'est pas très, très, très pratique. Donc, je vais vous expliquer maintenant le macro. Donc, le macro va être dans la description. Ce que ça nous permet de faire, ce macro-là, c'est de pouvoir linker la monture dans le chat. Donc, juste ici, et voilà. Left click to place the link into the message, Reign of Posidius. Et là, c'est très simple. Vous faites un shift click dessus. Vous le dites. Et selon s'il est mauve ou blanc, ça veut dire qu'il a été ramassé ou pas. Donc là, en ce moment, il a été ramassé. Donc, je n'ai pas eu de chance. Cette fois-ci, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est pas moi qui l'ai eu vu qu'il est mauve. Sinon, ça aurait été en blanc, comme ça, admettons. Le texte « Reine Posidius » aurait été en blanc. Donc, c'est une technique pour savoir si vous devez attendre encore un autre 72 heures avant de l'obtenir. Je vous souhaite une très bonne chance pour avoir cette si belle monture et aussi pour avoir peut-être beaucoup de PO. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de journée et à la prochaine!